système. D'abord, il faut changer le régime politique. Pourquoi ça? Parce que ça, là, va pas marcher. Il va marcher pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ils sont capables de dire qu'il y a un système hybride qui contient côté hypocrite là-dedans. Pour un président qui n'a pas vraiment tout le pouvoir pour diriger l'exécutif, parce que l'exécutif n'a pas le premier ministre, mais c'est le président qui a coupé la chaîne, qui a décidé de tout le bagaille, qui a fait le contrat, retiré le contrat, qui a pris toute décision pour le pays. Pendant ce temps, il n'est pas redevable envers les tribunaux, envers la justice, s'ils font bagaille, il passe ça. Parce que le mineur. Parce que le mineur. Qui est-ce qui est redevable? C'est le premier ministre et les ministres. Changement de régime, ça, pour le fait que le président ne soit plus mineur. Ça veut dire que s'il défait ça, pas ça, pendant ce pouvoir, eh bien, il a bien pour le rendre compte de ça, le défait. Son premier acquis, il est capable de dire, pour rétablir une certaine équité et une certaine justice dans le système politique qu'a dirigé nous. Deuxièmement, là, nous retirer le régime, ça. Ça veut dire nous remplacer le premier ministre par un vice-président. On a un bon président, un vice-président. Un peu comme aux États-Unis, en République dominicaine. Ils font campagne ensemble, sous base d'un projet, d'une vision, d'un rêve qui est le peuple. Eh bien, avec le régime ça, l'avantage qu'a gagné, c'est que nous éliminer l'espace marchandage qui gagne les ratifications premier ministre. Les déclarations énoncées politiques générales. Côté une série de parlementaires fourrés de corps pour faire négociations tête en bas, souvent à des fins inavouées, puisque au fond, c'est imposé au parlement, imposer des ministres qui ne peuvent pas venir gérer les questions de l'État, mais qui peuvent venir gérer les questions parrainées. Avec des députés, des sénateurs qui météo, qui fait météo là. Eh bien, son minorité de députés à sénateurs fait ça. Mais c'est le parlement qui paye le prix. Parce que problème de perception, c'est qu'au bon parlement, qui vient mêler en exécutif, donc parlement lui-même pas jouer rôle de contrôle exécutif. Donc avec ce nouveau régime, nous allons ranger les choses. Le Parlement va rester fort, mais il va rester cantonné et campé dans ces doubles prérogatives qui sont 1. De contrôler l'exécutif sans complaisance, et 2. De légiférer, ce qui est le double rôle dévolu à un Parlement. Est-ce que le Parlement va d'accord à Chédan Nabouchi? L'obligé. Le parlementaire, ça va le voter, il n'y a pas qu'à garder ça bon pour vous, faut regarder ça bon pour le pays. Et il y a deux bagages qui conditionnent un vote. C'est le sentiment, j'en vois question, mais c'est aussi l'opinion publique. Moi, j'étais persuadé, Sergi Mulendo, en juin septembre 2019, opinion publique là, tellement favorable par rapport à ça, à la proposition ça que nous faisons, en pile d'un député avec sénateur, pour ne pas dire la majorité et même la totalité, pour aller voter pour le pays, pour l'autre régime, pour l'autre système, pour l'autre Haïti. Office Protection Citoyen organise yon atelier consultation sou plan aksyon nasyonal pou mette en aplikasyon rekomandasyon mekanisme dwa moun nan peyi d'Haïti. Atelier sa ki de déroulé jeudi 30 daout la nan Hotel Marriott, kote participant yo aborde divers point takou, analize kestyon dwa moun, releve defi, anje ak perspektiv ki gen nan kestyon dwa moun nan. Mwen vito suivi an defi ki genyen et puis envisage solisyon. C'est dans le temps de Bayo d'après protecteur citoyen. Vous connaissez que l'OPC, c'est une institution nationale de protection et de promotion des droits humains. Et en notre qualité d'institution nationale de protection des droits humains, nous appelons à travailler avec le secteur des droits humains. Donc, nos partenaires privilégiés, eh bien, ce sont les ONG des droits de l'homme. Donc, nous ne sommes pas capables d'évoluer sans eux et organiser et atelier ça, côté que bien. Plus d'une trentaine d'organisations de droits humains, d'horizons divers, et organisations de femmes, et d'abord analyser la question des droits de l'homme, garder qui défi qui vient par rapport à la question des droits de l'homme, qui ça fait que nous ne sommes pas capables d'avancer réellement, et une fois que nous identifions les défis, pour nous voir comment que, au niveau de ce secteur-là, et aussi au niveau de l'OPC, côté de Balmet, peut-être ensemble, pour nous voir comment nous sommes capables d'identifier les solutions, envisager les solutions que nous soumettons non seulement aux plus hautes autorités de l'État, mais également par devant et les instances internationales de protection des droits de l'homme. Soumettre un cahier des charges par l'autorité sur la situation de l'homme, c'est un objectif principal atelier consultation. Identifier certains défis en matière des droits de l'homme, maintenant en termes de retombées, et c'est une occasion pour nous pour être capable de soumettre des cahiers de charges, des cahiers de situation en matière des droits de l'homme qui va présenter photographie situation des droits de l'homme aux autorités étatiques. L'État y a trois rôles pour le jouer. Premièrement, rôle l'État, c'est faire respecter les droits de l'homme.
Deuxième rôle de l'État, c'est faire protéger le droit de l'homme. Et troisième rôle de l'État, c'est mettre, faire la mise en œuvre des solutions, prendre des mesures concrètes, créer l'école, créer l'hôpital, bailler la population de l'eau potable, diminuer l'insécurité. Donc tout ça, c'est des bagailles que l'État lui-même vient pour devoir pour le faire. En matière du respect de la protection des droits de l'homme, comme on le dit souvent, la responsabilité, elle est toujours partagée. Atelier ça a été l'occasion pour présenter différents mécanismes système universel de l'OAMUNIO sous rapport au commissariat de l'OAMUNIO 37e à 38e session conseil de l'OAMUNIO. Responsable stop accident nommé sénateur Jean-Honel Senatus, personnalité sécurité routière, mois d'août 2018 là. Cérémonie remise plaque l'honneur à mérite l'an réalisé jeudi 30 août 2018 là, dans Pétionville. John Herbie Casseus à Michaud Joseph pour un contre un. C'est dans l'idée pour encourager l'effort sénateur Jean-Honel Senatus à faire pour permettre population plus en sécurité sur route dans le pays. Responsable stop accident nommé sénateur Louesla, personnalité sécurité routière mois août 2018. D'après dirigeant stop accident, yo, sénateur Louesla, c'est un parlementaire qui toujours a fait plaidoirie sur dossier. Si notre existence se trouve entre les mains de ceux qui font la loi, il est maintenant grand temps de demander à nos augustes parlementaires ce qu'ils ont fait au contraire pour protéger nos vies et nos vies sur les routes nationales et au cœur des villes. Où sont les lois exigeantes des travaux du groupe à entretenir les chaussées? Où sont les lois contraignant les mairies à placer les panneaux avertisseurs et les sémaphores? Où sont les lois sur le transport en commun? Où sont les lois sur les taxis motos qui blessent et tuent quotidiennement les bons citoyens? Où sont les lois sur les vitesses à parcourir en traversant les villes? Où sont les lois sur la création et la mise en œuvre de la police routière? Où sont les lois qui doivent enfin mettre fin à ces embouteillages monstres au cœur de la capitale? Où sont les lois, messieurs et dames, les parlementaires? Où sont les lois sur la sécurité routière en Haïti? Sénateur, sénatus, dit prend note de revendication responsable stop accident. Il promet pour continuer à mener bataille sur la sécurité routière dans le Parlement. On a une tête pour une mission, à prix que nous pouvons pour nous transformer en texte de loi, pour nous transformer en exercice de contrôle parlementaire que nous avons pour nous faire. Texte de loi que nous avons pour amender, texte de loi que nous avons pour nous proposer. Pour que l'État mette date 4 août là comme journée de sensibilisation sécurité routière en Haïti. N'a pris un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Actualité au sous-plan international, Peso a jeté en perdit presque 20% valel face à dollar américain en seulement deux jours. Ça qui pousse diverses manifestations éclatées hier jeudi à Buenos Aires, La Plata, Rosario et Mar del Plata. Culturel là, association culturel passage a organisé une soirée levée fonds samedi 1er septembre dans le local dans l'espace restaurant Yonvalou. L'agence qui a ramassé dans l'occasion soirée ça pour servir pour financer un projet paracamédique dans l'intention jeune qui dans zone défavorisée, sans pour citer Soleil, Solino et Belé. Performance musicale, exposition et vente zèvres artistiques, c'est quelques parmi activités qui fait partie agenda soirée. Le président de l'association Passage là, Ginette Popote, dans le micro, Michel-Ange Dalcé. Projet paracadémique là, c'est 21 septembre 2018 et puis juillet 2019. Donc c'est un projet qui a été mis sur toute année scolaire là. Et puis pendant vacances, on a gagné des ateliers ensemble avec un jeune. Qui contenu le projet paracadémique là? C'est des ateliers de chant, de danse, de peinture, de théâtre, des visites avec des jeunes qui n'ont l'école dans le quartier Sayo pour visiter des institutions, participer à des événements culturels et puis faire des sorties ensemble avec eux, donc des activités paracadémiques, faire des conférences sur des thématiques que nous estimons qui sont importantes pour un jeune humain aujourd'hui qu'on est, donc le civisme et citoyenneté responsable, question entrepreneuriat, question genre, santé mentale, environnement, et puis petit causer sur le monde qui est handicapé pour changer la perception que vous avez sur ça, surtout par rapport avec tout ça nous vivons en tant que peuple, qui va nous empiler le monde qui est handicapé aujourd'hui. Et puis, c'est
jeune sa yo ki pran formation an, oriente yo, ba yo des mentors pou yo kapab beaucoup plus professionnel nan chwa ke yo fè. Se ensemble des ensemble activité sa yo ke nan gen nan projet para-académique la. Gen plusieurs moyens on moun kapab contribuer nan projet a. On moun kapab pa ka déplacer ou kore projet an, comme on kapab fè sa, gen numéro kapab fè transfer mon cash, 37 84 39 04 37 84 39 04. Pour moun ki a l'étranger ki commence fè sa d'ailleurs, nou kapab ekri association an passage Haïti, nou kapab ekri personnellement tout sou page mwen jini popote pou nou kapab gen bon jan info depo sou kont association an, nou kapab kontakte sou 37 84 39 04. Se jeudi 30 août 2018 la nan Elite Hotel Delma 31, staff l'école Casa Latina nan tèt kole ak reprezentan République Dominicaine yo choisi lanse officiellement deuxième édition Danse Binationale en baptême Danse et Amitié ak yon konferans pou la presse. Deuxième édition si la ki ap fèt nan Hotel Marriott samedi 1er septembre kap vini la, contrairement ak premier ki te fèt République Dominicaine pli précisément dans la Bonne. Et spectacle si la ap genye 5 l'école haïtien ki ap patisipe ak plizye dominikien kap sorti République Dominicaine kote yo pral makone dans haïtienne ak dominikien ansanm. Emmanuel Bien-Aimé ki se inisiate aktivite a ak reprezentan République Dominicaine nan Aniela Morel te profite prezante objektif aktivite a nan mikro Katiana Michel ak Bernard Marseille. On artiste dominikien an d'aktivite sa ou genye dans pays nous qui c'est deux danses, danse nationale là et danse traditionnelle là. Donc vous voulez parler de danse nationale là qui se compare et danse traditionnelle là qui c'est folklore haïtien. Et de même en République Dominicaine, nous gagnons, yo gagnons danse traditionnelle pa yo qui c'est folklore dominicain comme tout autre pays qui est folklore pa yo. Alors il y a un dans spectacle n'a présenté folklore dans ce folklore haïtien. N'a présenté plusieurs chorégraphies de danse compas pour nous capables de mettre compas en valeur et n'a présenté d'autres danses internationales puisque Casa Latina son école de danse ballroom qu'elle est. Et l'école de danse qui a sorti République Dominicaine, il y a même pu gagner pour valoriser dans ce cas, il y a des prestations folklore dominicain, il y a des prestations bachata et merengue qui sont danse nationale par eux en danse soirée. L'idée principale activité, hein, c'est comment que nous sommes capables de faire des amis dominicains et comment que les dominicains sont capables de faire des amis nous. Et ceci nous fait à travers des outils qui sont très intéressants et importants que nous gagnons dans la culture, la langue, c'est la danse. Donc nous avons la danse et l'amitié, la priorité comme ça, elle a changé. Una de las cosas más cruciales para que podamos entender que tenemos la forma de comunicarnos y de tratar con Dios es con el baile. Es por eso que por este c'est pour ça, m'a utilisé moyens, ça m'a utilisé médias, je veux dire pour nous inviter tout dominicain qui t'a mis des colons au coin, qui t'a réuni avec nous, dominicain, pour le garder dans Mariotte. Et le 1er septembre, peut-être qu'on va passer avec des danseurs ensemble. Ça m'a capable de dire, moi-même, moi, j'ai 18 ans depuis moi ici, et juste pour m'y être capable de faire un lien qui passe mal, moi-même, je suis bien avec les séparés. Nan sport, nan pale football sou plan lokal, seri fermeti ou championnat nasyonal premier division ap demare samedi 1er septembre 2018. Nan okasyon an, Cosmopolite de Delma ap resevwa nan stade Fezio 14 a 6h PM Racing de Gonaïve. A l'étranger, championnat d'Italie, 3e jounen kompetisyon sa ap komanse jodi a. Milan AC nan stade San Siro ap resevwa AS Roma. Et bien voilà, amis les spectateurs, je n'arrive dans Boutli, nous remercions pour attention à fidélité. Je remercie à toute équipe là qui s'est mobilisée pour permettre l'information de rentrer la caillou. Rendez-vous à la salle de nouvelles là, c'est à 7h pour téléjournal là. Bon week-end. Bye bye tout le monde.